Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Alors, avec mon ami Mathy, je vous remontre son profil. Voilà. Si vous voulez être son ami, voilà. Je vais inviter mon ami qui s'appelle NaniPlay87. Là, j'ai des quêtes nouvelles. Alors, je dois vaincre 12 ennemis avec Bartaba. Malheureusement, NaniPlay87 est en combat. Donc là, j'attends qu'il me dise un petit oui. Il m'a proposé un roller, sauf que lui, je dois faire des quêtes avec. Mais malheureusement, je vais pas le prendre. C'est dommage pour lui. Donc là, je vais commencer. Par contre, je fais sans lui parce que j'ai attendu 3 heures qu'il n'arrêtait pas de me dire quel roller je devais prendre. Et j'avais pas le temps pour ça. Alors, j'ai tout de suite commencé avec Gabriel 10. Donc, qui n'est pas mon ami d'ailleurs. Mais bon. Donc voilà. Donc là, il faut que... Faut faire attention. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je ne parlais pas, à part quand le combat sera fini. Là, je peux finir. Oh non, ça devrait être bon. Je suis malheureusement morte et le match pour moi et ma coéquipière est terminé. Donc comme vous voyez cette coéquipière, ce brawler que ma coéquipière a, bien moi je ne l'ai malheureusement pas. Et aujourd'hui, je vais surtout vous montrer. Alors là, j'ai des pièces gratuites. Voilà. Accepté. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer les brawlers que j'ai pas en exercice. Donc je vais les quitter. Donc il y a Beau. Alors je vais faire un petit exercice pour vous montrer comment il est. Parce qu'on peut faire des exercices avec les brawlers qu'on n'a pas. Sauf qu'il n'y a pas d'autres personnes. Enfin, pas d'autres brawlers avec nous. On doit juste tuer des petits espèces de ennemis. Vous voyez, il lance des flèches. Et sa super attaque, c'est que s'il marche sur des explosions, il explose tout simplement. On peut très bien quitter. Donc là, je vais vous montrer sur le gros, ici, là. Je sais pas s'ils peuvent marcher tous. Moi, il y en a un qui peut marcher, non. Je sais pas trop. Au moins, je vous montre. Donc là, il devrait exploser. Voilà, c'est fait. Le gros, comme vous voyez, il a beaucoup de vie. Et puis, je peux très bien quitter, donc je vais quitter après. Là, je vais mettre un peu au milieu d'eux. Parce qu'on peut viser avec les super attaques aussi, hein. S'il y en avait, ne savait pas. On peut très bien viser. Alors, je sais pas pourquoi je les ai mis là, ça sert un peu à rien. Et voilà, maintenant je vais vous montrer d'autres brawlers en exercice. Peut-être. Celle que j'aime bien qui est Elise. Voilà, en fait elle jette du parfum ou du spray, je sais pas trop c'est quoi. Je vais l'essayer du coup, même si je l'aurais pas pour l'instant. Et pas bientôt je pense, donc c'est dommage. Donc, vous voyez, elle jette du parfum un peu toxique, je sais pas trop c'est quoi, mais bon. On peut voir après je pense. Et ça c'est pour faire mal aux ennemis, je pense. Que je la connais pas trop parce que je l'ai jamais utilisée à part pour l'essai maintenant là que je suis en train d'utiliser. Dommage que je ne l'ai pas encore, mais c'est bien en tout cas
ces exercices parce qu'on peut aussi essayer les brawlers qu'on n'a pas et les entraîner. Donc voilà, je vais pas tous les tuer, c'est juste pour vous montrer un peu comment elle est. Ne vous inquiétez pas, je vais tous les tuer. Là, ça me fait du mal, donc je suis très contente. Et même quand on bouge, bah, le cercle bouge. Et ça, c'est super aussi. Voilà, je vais quitter. Et maintenant, mon dernier brawler que je vais vous montrer, parce que je peux pas faire des très longues vidéos sur YouTube. Je vais vous montrer Billy, que j'aime beaucoup aussi. Surtout, donc, attaque, ok. Swim, ok. Billy repousse ses ennemis à coups de batte. Si sa barre jaune est pleine, quand son super est prêt, elle frappe une balle de chewing-gum qui cause des dégâts. Donc son super, c'est sa super attaque. Parce que d'habitude, moi, je dis super attaque. Super, pour moi, c'est pas logique, on va dire. Vous voyez, elle le repousse comme ça. Hop. Ça doit faire mal. Dans la vraie vie, c'est sûr que ça fait mal dans la vraie vie. Et là, je l'ai un peu poussé. Voilà, ça, c'est le chewing-gum qui cause des dégâts, comme on vous a dit. Des fois, c'est des chewing-gums roses. Voilà, il a causé déjà un petit dégât, on dirait. Ça leur fait mal. Voilà. On va voir ce que ça donne. Attendez, il va bientôt mourir. On va voir ce que ça donne pour le gros. Parce qu'on peut aussi viser avec le chewing-gum. Par contre, si ça va sur nous, le chewing-gum, bah, ça ne fait rien. Bien sûr, parce que c'est nous qui faisons ça. Vous voyez. Ça les recule bien. Je suis contente de moi. Je vais quitter. Et peut-être un petit dernier. Voilà, je vais prendre... Désolée, non. Je vais prendre Polly. Donc, plus Polly tire de loin, plus elle fait des dégâts. Lorsqu'elle utilise son super, elle s'envole gracieusement en faisant tomber quelques grenades qu'elle chasse. C'est déjà pas mal, mais elle n'est pas super, super pour moi. Car... Et je ferai une prochaine vidéo YouTube avec NannyPlay87 tout à l'heure parce que là je vous montre les brawlers que je n'ai pas encore. Là je vais pas faire longtemps avec. Là c'est bien ce qu'elle a fait. Ok, ça je le savais pas. Je la vois pas souvent en combat mais des fois comme tout à l'heure par exemple elle a combattu avec moi. Elle était ma coéquipière. Donc là on va faire vite parce que la vidéo doit bientôt se terminer. Là, je vais quitter, sinon ça sera trop long pour la vidéo YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner et commenter cette vidéo. Sur ce, ciao!